Bonjour tout le monde, je suis très très content de vous retrouver après une semaine où je, finalement on n'a pas pu avoir de webinaire où j'étais tellement content de pouvoir vous présenter le sujet de la semaine dernière, mais malheureusement, ben panne d'électricité, j'ai pas pu. Euh, et le webinaire de la semaine passée qu'on euh, qu'on avait planifié, qui était euh, avec euh, une professeure que vous avez connue euh, pendant euh, euh, notre surprise du temps des fêtes, euh, Carly. Euh, va être reporté et pour l'instant, notre date qu'on a en tête, c'est le 9 février. Donc euh, aujourd'hui, on va faire un sujet différent. Euh, pour ceux et celles qui c'est la première fois que vous êtes là, ben, je vous explique un gros. À chaque semaine, à chaque dimanche, euh, je fais un petit webinaire, c'est-à-dire un séminaire comme ça où je vous parle de différents sujets reliés à la musique. Euh, relié au violon, donc un cours de, de violon gratuit, si vous voulez, euh, sur Internet, où on tourne un peu autour du pot, on essaie de regarder différentes, euh, différents angles, différents sujets qui ont attrait au violon. Euh, et cette semaine, notre sujet, euh, c'est un sujet qui, je pense, va aider non seulement les violonistes, mais aussi, euh, je dirais, pas mal n'importe quel musicien euh, c'est comment apprendre à jouer de mémoire, comment apprendre à mémoriser euh, ces pièces. Euh, en musique. Donc, je pense que ça peut être un sujet qui est assez intéressant. Euh, on est en ce moment en direct. Je vois les gens commencer à nous écrire. Je suis vraiment très, très content à chaque euh, dimanche de voir ça. Euh, euh, donc, on est en direct sur YouTube, Facebook, euh, Twitch, euh, Mixer. On est sur le site euh, MildorViolon.com dans la section en direct euh, et aussi sur la page Facebook de Mildor Violon et sur le groupe Facebook qui s'appelle Violonistes Débutants. Pas violoniste adulte débutant, violoniste débutant seulement. Euh, et à ce moment-là, ben, euh, on a une belle communauté. C'est pour ça que je veux vous en parler. On a vraiment une belle communauté de personnes qui s'entraident, qui vont, euh, euh, si vous voulez, publier des photos, des vidéos et qui, dans le fond, viennent créer, si vous voulez, ce, ce beau sentiment de communauté à l'international parce qu'on a des gens de, un peu partout dans le monde et ça, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Euh, une petite mention spéciale ce matin à Nora. Euh, et euh, Katie, qui m'ont fait une belle surprise ce matin, de commencer euh, à jouer les pièces de Mildor Violon. Donc, Mildor Violon, c'est une entreprise de violon euh, où on enseigne le violon sur Internet, donc avec des tutoriels vidéo et avec aussi des rencontres euh, par webcam. Euh, et euh, Nora et Katie ont commencé à suivre le, notre programme phare, qui est notre, le, le programme violoniste débutant. Euh, et elles ont commencé comme ça avec une première pièce ce matin qu'elles qu ont publiée justement à même le groupe euh, Facebook violoniste débutant. Et j'étais vraiment surpris de voir qu'est-ce que ça donnait de un comme résultat, mais aussi euh, de sentir justement ce, ce, cet engouement-là. Si vous voulez, deux, deux personnes qui sont à l'autre bout de la planète. Une en Espagne, l'autre à l'île de La Réunion, <laughs> et qui ont décidé de jouer comme ça, euh, de la musique ensemble. Donc, ça montre comment la technologie est rendue ailleurs. Ça montre aussi comment euh, jouer de la musique, jouer du violon ou apprendre des cours de musique, c'est rendu, euh, rendu autre chose. On est ailleurs maintenant. Et, et on a cette chance-là maintenant de pouvoir bâtir des relations avec tout le monde. Donc, je suis vraiment très content d'être avec vous. Et avant d'aller plus loin, bien, je veux vous dire bonjour à tout le monde. Je vois des noms rentrer, donc je veux quand même euh, tout le temps dire bonjour. Florent, que j'ai vu, Nathalie, euh, euh, Debia qui est là, Julie, Delphine, bonjour Delphine, euh, Laure-Emmanuel, Lynn. Daniel, Maude, Patrick. Patrick, je pense que c'est la première fois que tu es avec nous, donc je suis très content de t'accueillir avec nous aujourd'hui. Euh, et donc, euh, voilà, il y, a, il y a plein de gens qui, qui sont connectés. Je suis vraiment content d'être avec vous. On va passer, euh, grosso modo, d'habitude, c'est 45 minutes, une heure. <laughs> Dans certains cas, ça dépasse un tout petit peu, mais c'est parce que je suis juste trop enthousiaste et je veux vous en dire beaucoup plus. Mais bref, euh, on va parler aujourd'hui de mémorisation. Donc, voilà. C'est un cours aujourd'hui euh, où. Ouais, je suis professeur de violon. Ma spécialité, c'est de vous enseigner la technique, de vous montrer exactement comment jouer du violon euh, et vous aider à progresser, justement au niveau technique, au niveau musical, au niveau émotif, pouvoir grandir en tant que musicien. Mais le, le, le sujet de mémoriser, la mémorisation, ce n'est pas un sujet qui est nécessairement dans ma cour en tant que tel. J'ai des trucs en tant que professeur. J'ai vu des choses qui, à travers le temps, fonctionnent avec des élèves. Mais je ne suis pas, certes pas euh, euh, certifié pour pouvoir parler, exemple, de comment notre cerveau emmagasine les choses. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui. Euh, J'ai vraiment beaucoup de trucs à vous donner, inquiétez-vous pas. Mais c'est quand même un sujet qui est assez ouvert. Donc, si vous voulez partager, quel est votre truc à vous pour apprendre à mémoriser, mais sentez-vous vraiment bien à l'aise, c'est dans le fond une discussion aujourd'hui. Ce n'est pas un cours seulement d'un côté. Euh, et je veux avoir aussi votre retour. Je veux que vous puissiez participer. Comme toujours, quand vous voulez poser une question dans le, dans le cours, écrivez en gros question avant de la poser. Comme ça, ça me permet de l'identifier facilement parce que sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens. Ceci étant dit, commençons avec le sujet du jour, donc la mémorisation. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 choses qui vont vraiment, vraiment nous aider. J'ai résumé ça en un mot pour chaque chose. Premier mot, lecture, prenez des notes. analyse, répétition, contexte, le temps et la confiance. Et je vais aller vraiment en détail avec chacun de ces points-là. Mais commençons avec le premier point. Donc, la lecture. Pourquoi est-ce que je vous parle de lecture On parle de mémorisation. Ben en fait, la lecture, c'est vraiment si vous voulez, la première chose à faire lorsqu'on veut apprendre à mémoriser. Je donne un exemple. Vous apprenez une nouvelle langue. OK Mettons vous apprenez le russe. Okay? On va commencer bien sûr par apprendre l'alphabet russe. On va apprendre à okay, la, la sonorité de, de chacune de ces lettres-là, combinée avec d'autres lettres. Euh, on va apprendre à former des phrases, à écrire des mots. On va lire un peu, etc. Mais si je vous demande, OK, parfait, vous commencez à apprendre le russe, est-ce que ça serait possible pour vous de mémoriser ce texte-là par cœur pour lundi? On va complètement perdre la carte. On va dire Mon Dieu, c'est bien trop avancé pour moi. Et c'est normal. Parce que euh, en ce moment, vous ne vous posez pas la question quand je vous parle en français, vous parlez français. Donc, à ce moment-là, quand je vous parle, bien, automatiquement, votre cerveau commence à emmagasiner l'information. Vous êtes rendu que quand vous entendez parler français, bien, vous emmagasinez l'information automatiquement. Plutôt qu'une personne qui commencerait le français, ou comme l'exemple que je vous disais, qui commencerait à apprendre le russe, où, là, chaque lettre doit être, attention, décortiquée. C'est un peu comme si je vous disais, OK, mémorisez la phrase suivante. J-E-M-A-R-C-H-E-D-A-N-S-L-A-R-U-E-A-V-E-C-M-E-S-C-H-I-E-N-S. Là, vous allez me dire, mon Dieu. et Qu'est-ce qui vient de dire, là? Et c'est normal. Là, là, je décortique ça à la lettre, alors que la phrase était assez simple. « Je marche dans la rue avec mes chiens. » Voilà. « Je marche dans la rue avec mes chiens. » Mais pour une personne qui commence, elle, ce qu'elle va entendre, c'est exactement ça. J-E-M-R-C-H-E-D-A-N-S-L-A-R-U-E -E -E avec... Vous voyez quest ce que je veux dire? C'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ça devient trop d'informations parce que les informations primaires, les informations de base, l'alphabet, la, la sonorité, les syllabes, etc., ce n'est pas encore emmagasiné. Et donc, ne, notre cerveau ne fait pas un court-circuit pour y arriver. Donc, la première chose qu'il faut réussir à faire pour mémoriser plus facilement une pièce, c'est arriver à chanter ou à lire, si vous voulez faire de la lecture plus facilement. Et ça, c'est vraiment, vraiment, je vous dirais, la chose qui va vous aider le plus. Vous avez de la, la misère à mémoriser une pièce Essayez pas de mémoriser des pièces. Essayez de lire davantage. Essayez de parler musique. Converser en musique. Ok Qu'est-ce que je veux dire par là Quand vous ouvrez le journal le matin, puis que vous vous dites, ok, très bien, euh, je vais lire la première phrase. Mettons, je vais prendre un livre proche ici. Ok Alors. Il sait que son père, euh, il aimait que son père lui apprit à chasser. Il aimait que son père lui apprit à chasser. Là, à ce moment-là, on est déjà on connaît le français. Donc si je répète deux fois, ben, on commence à comprendre la phrase. Il aimait que son père lui appris à chasser. Il aimait que son père lui appris à chasser. Je suis con, je suis convaincu. Il aimait que son père lui apprit à chasser. Vous êtes capable de répéter. C'est certain. Il aimait que son père lui apprit à chasser. Il pas bien qu'on parle, lui, après. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est facile. Vous êtes déjà rendu à un, un stade de confort où apprendre une phrase, ça se fait comme ça. Et la répétition à ce moment-là devient vraiment positivement facile. Donc, quel genre d'exercice est-ce que je propose à mes élèves pour améliorer leur lecture? Parce que si c'est le point majeur qui va faire en sorte qu'on va améliorer notre mémorisation, bien, il faut se donner des trucs. Donc, le premier truc que je fais, c'est de chanter. J'appelle ça des trois façons. Euh, mes élèves, à chaque fois, je leur dis, OK, on chante des trois façons. Ils savent exactement qu ce que c'est. Euh, et je vous donne un petit exemple. Regardez bien à l'écran. Okay? Voici une des pièces euh, qu'on a euh, sur le cours violoniste débutant. Okay? On a cette pièce-là ici. Qu'est-ce que ça veut dire chanter des trois façons? On va chanter, par exemple, je vais laisser faire les mesures de silence pour commencer, mais on va chanter, par exemple, les rythmes. Donc, exemple, ça va donner noir deux croches noires, deux croches noires, deux croches blanches, noires, deux croches blanches, noires, deux croches blanches. Là, je n'ai fait que la première ligne, mais ça vous donne une idée, OK Ça c'est la première façon. La deuxième façon, on va chanter les doigtés. Qu'est-ce que je veux dire par les doigts? Je veux dire les numéros de nos doigts. Et pour être certain que tout le monde comprend, je vous montre un peu qu'est-ce qu'il y en a. Si je prends mon violon, et que mon index ici, c'est le premier doigt, majeur deuxième, euh, annulaire troisième, et l'auriculaire, le quatrième, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, quand on parle de chanter les doigtés, c'est chanter justement soit les cordes à vide, c'est-à-dire les cordes sans doigt. Donc, on va dire le nom de la, la corde à ce moment-là, la, mi, ré, sol. Ou on va chanter le numéro du doigté. Donc, je reviens à l'exemple. On s'en va voir ici, et on a la, la, 1, 2, 2, 3, mi, 1, mi, 2, mi, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, la. Donc là, j'ai chanté les doigtées. Et la troisième façon, c'est de chanter le nom des notes. Bien sûr, parce qu'il faut savoir le nom de nos notes. Il ne faut pas seulement dire les doigtées, sinon ça deviendrait une béquille. Alors, on a la, la, si, do, do, ré, mi. Fa, Mi, Do, Mi, Ré, Do, Si, Ré, Do, Si, La. Si vous avez eu de la difficulté avec ça, ou si vous ne savez pas par où commencer, je vous répète toujours que sur le site mildorviolon.com, que j'affiche à l'instant, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre justement à faire de la lecture. On en fait pour toutes les pièces. Je vous montre comment, je vous explique la théorie, etc., si vous avez été perdu dans le sens que vous savez comment faire, mais que vous n'êtes pas rendu à un niveau où c'est simple et facile, vous pouvez mettre la partition et vous pouvez commencer à chanter, vous n'êtes pas encore rendu à converser musique. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. On, a, on, on commence, on apprend, on apprend. Et il faut se faire confiance à un moment donné. On commence toujours en bas, puis on, a, on monte les marches graduellement. Je parle souvent de la technique de l'escalier, mais c'est ça. C'est correct. Mais il faut essayer de monter notre niveau de lecture. Et de cette manière-là, quand vous allez pouvoir le faire sans aucun problème et lire la musique comme vous li liriez le journal, <laughs> bien, à ce moment-là, vous allez avoir justement comme euh, une longueur d'avance. Donc voilà qu'est-ce que c'est. Qu c'est la première fois pour moi, je dis euh, à Debia, bonjour, je suis vraiment très content que tu sois là. Le russe, ça me dit quelque chose maintenant. <rire> oui. <laughs> euh, oui, Nat, effectivement. Bien, c'est drôle parce que Nat, euh, qui est en ce moment sur, euh, sur Facebook puis qui converse avec nous, euh, c'est une de mes élèves personnelles. Donc, elle vient chez nous pour euh, prendre des cours. Fait que souvent, et son cours, c'est le samedi. Donc, souvent, <laughs> je vais sortir quelques mots pendant son cours qui font en sorte que le lendemain, <laughs> ben à ce moment-là, elle entend les mêmes mots dans le webinaire parce que, effectivement, ben, c'est pas mon cobaye. Je vais pas dire ça comme ça, mais, <laughs> mais voilà. Euh, Nat, tu sais que tu es la première souvent à entendre les choses qui vont être le lendemain. <laughs> Donc, voilà, travailler la lecture. Bien important. Deuxième chose maintenant, c'est faire de l'analyse musicale. Donc, qu'est-ce que je veux dire par de l'analyse musicale? On prend une pièce et on essaie justement de l'analyser. Où sont les ressemblances? Où sont les différences? Par où on commence? Où on finit? Est-ce qu'il y a des reprises? Comment, quelle est la structure musicale? Et je voulais vous donner un exemple ce matin, donc je reviens à l'exemple que je vous ai chanté tantôt. Okay? Cet exemple-ci, qui est la pièce, bon, il y a longtemps, euh, qu'on fait justement dans le cours violoniste débutant. Et puis on peut regarder ça et voir une suite de notes. Et là, on voit du noir un peu partout. On voit quelques notes blanches. On voit que ça monte, ça descend. Et si on fait juste regarder. Le total, si on fait juste regarder la pièce en tant que telle, on pourrait se dire, oh mon Dieu, voici, exemple, 67 notes différentes à apprendre. Oh mon Dieu, c est, c est, ça ne se fait pas. Et vous auriez raison de penser ça. Ça ne se fait pas vraiment apprendre 60, 67 notes différentes si on, on les pense individuellement. Mais regardez bien la partition. Et là, je vais passer à une, un autre, je vais rajouter des petits, des petits éléments sur la partition. Regardez bien. Vous avez des choses qui se répètent. Regardez les sections A. Parce qu'il y a plusieurs fois, c'est marqué section A. C'est-à-dire, euh, à partir du moment où c'est marqué A, les deux mesures qui suivent. Okay? Donc, la, la, si, do, do, ré, mi, fa, mi, do. Bon. Et ça se répète euh, à trois, trois fois dans la pièce. Une première fois à la ligne 1, une deuxième fois à la ligne 2, et une troisième fois, donc, à la mesure 15, euh, la quatrième ligne. Donc, vous voyez, il y a des répétitions dans la pièce. Donc, ça ne veut pas dire que c'est 67 notes à apprendre. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a deux mesures qui sont répétées trois, euh, trois fois. Donc, déjà là, on réduit notre temps d'apprentissage. Ensuite, regardez bien B1. Vous voyez, ça fait ⁇ Mi, Ré, si, Ré, si, là. Et regardez B2. Vous avez ⁇ Mi, Ré, Dossi ⁇ Ah, tiens, le même début. Sauf que ce n'est pas une blanche. Regardez les flèches que, vous, que je vous ai écrites. Ce, la première fois, c'est une blanche, donc avec AB1. La deuxième fois, par exemple, c'est une noire. Donc, AB1, ça faisait « mi, ré, do, si, rédo, si, la ». Donc, on tenait deux temps sur le « si », alors qu'AB2, on fait « mi, ré, si » et tout de suite « do, si, la ». Donc, vous voyez, c'est un peu la même chose parce que ça commence pareil, mais ça se finit différemment. Mais quand même, c'est des choses à bien regarder parce que ça nous permet de dire ah, « OK, ça commence de la même façon. » Donc, comme un B, c'est pour ça que j'ai appelé ça la section B, mais on a B1 avec une finale qui est différente de B2. Ensuite, on voit qu'on a une section C qui est ce que j'appelle, moi, le couplet. Donc, « Mi, ré, si, mi, mi, ré, do, si, là. Et ça se répète après. C'est la même chose. Vous voyez encore un deuxième C. Mire dosi, mi mi si, là Donc là, je chante et euh, je, 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 je suis certain qu'on a perdu environ euh, 10-15 personnes différentes parce que <laughs> j'ai pas une belle voix. J'enseigne pas pire le violon, mais euh, non, je ne serai pas reconnu comme étant un chanteur international. Euh, et bref, ce que je veux vous dire, c'est que quand on fait l'analyse de la pièce, on est capable de voir les choses qui se répètent, les choses qui sont différentes. On est capable de se faire un plan. Voici le plan qu'on pourrait avoir en tête lorsqu'on essaie d'interpréter cette pièce. Alors, deux mesures d'introduction. Ensuite, on a la section A. Donc avec B1, donc celle avec la blanche. Ensuite la section A. Et puis la section B2, celle avec la noire et tout de suite on continue dossier là. Ensuite, on a le couplet deux fois. Donc, mi mais mi aussi là. Ensuite, on revient à la fin, vous vous souvenez, c'était, euh, on revient au refrain, mais tout de suite, on s'en va à B2. On ne va pas à B1 comme la première fois, ce que j'appelle le refrain long, si vous voulez. Je vous remonte encore la partition. Donc, après ça, c'est une question de répétition. On essaie de dire, OK, je vais faire une section, donc ça va donner, par exemple, la section A. Donc, vous voulez, et bien sûr, il faut la pratiquer avant, mais un coup qu'on est rendu, qu'on la connaît bien, mais on essaie de la faire en boucle pour la mémoriser, là. Et on peut se dire aussi à l'intérieur de cette section-là, ça fait toujours, regarde, noir, deux croches, noir, deux croches, noir, deux croches, et finalement la blanche. Mais on voit que c'est toujours le même rythme. Donc, c'est une façon de mémoriser cette petite section-là, et on la fait en boucle, on la recommence. Même chose, on recommence. Et je suis assez convaincu en ce moment que certains d'entre vous commencent à l'avoir en tête, même si c'est moi qui la pratique. Pourquoi Parce que ben bien sûr, quand je vais jouer ça devient un pattern musical, ça devient une phrase musicale que vous allez mémoriser. Et donc là, ça devient assez facile. On mémorise chacune de ces phrases-là en tant que telle. Et ce qu'on va faire après, un coup qu'on les a fait, et, 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 et vous savez, c'est travailler par section. Hein? Donc quand je dis on fait A en premier, bien, on fait A jusqu'à temps que, on, que ça fonctionne bien, qu'on l'ait par cœur. Ça, ça peut prendre une journée. Oui, mais une journée, il me semble, c'est long. Ben oui, mais non, mais ben oui, mais non. Ça dépend, ça dépend de vous. Pensez-y. Si on dit qu'on prend une journée pour apprendre A, une journée pour apprendre B1, une journée pour apprendre B2, une journée pour apprendre C. Donc, ça a pris quatre jours et on connaît maintenant la pièce au complet. Vous savez, le temps joue en notre faveur. Il ne faut jamais oublier ça. Et après, c'est juste une question de mémoriser son plan d'action, si vous voulez. Parfait. J'ai deux mesures de silence. A, B1. A, B2. C, C, A, B2. Deux mesures. A, B1. A, B2. C, C, A, B2. OK. Deux mesures, A, B1, A, B2, C, C, 2 Parfait. Donc, refrain long, couplet, refrain court. Après, évidemment, les deux mesures de silence d'introduction. Pourquoi les deux mesures de silence? Ben, parce qu'il y a une introduction au piano. OK, parfait. On revient avec moi. Là, bien sûr, je la connais par cœur, la pièce. Mais, quand même, je vais vous montrer un peu qu ce qui peut se passer dans notre tête quand on joue. OK, deux mesures de silence. Admettons qu'elles sont terminées, le piano a, a fini de jouer. Parfait, je commence. A. B1 qui finit par une blanche. Très bien. A encore. Attention, B2 qui fait de noir et tout de suite d'eau Parfait. Ensuite, on a la section C. Deuxième fois. Ok, et finalement, à la fin, on s'en souvient c'est le refrain court. Donc, ça c'est A. Et attention, B2 tout de suite. Donc, on, on va faire la noire quand on arrive au Si. Si. Donc, vous voyez un peu l'idée là ce pas d'apprendre 67 unités différentes. C'est pas d'en apprendre deux pages de micro-notes. C'est une croche, puis après ça, c'est une noire. « Ah, mon Dieu, j'ai oublié que c'était noir. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On essaie d'apprendre des sections. On essaie d'apprendre des phrases. De la même façon que tantôt, quand je disais... Ah, mon Dieu. Ah oui, voilà. Quand je disais... j e m r c h e d a n s l a r e a v c m e s h i n s Personne n'a rien compris. Par contre, quand j'ai dit je marche dans la rue avec mes chiens, c'est clair. OK? Donc, on essaie d'y aller comme ça, se souvenir de section. Et donc, on a parlé de lecture et la deuxième chose, on a parlé d'analyse musicale. Je vois que. Euh je ne je vois pas beaucoup beaucoup de gens qui écrivent à l'heure actuelle depuis 4 minutes. Donc, si vous voulez juste me dire un petit bonjour, oui, ça fonctionne, Jean-François, tout est correct, ça va me rassurer au moins. Peut-être que vous êtes captivé, je ne sais pas. <laughs> Mais euh, peu importe, je veux juste être certain que, que les gens vous êtes encore là, vous écoutez très bien. Et si vous êtes là, tant qu'à faire, je vous demanderai, dites-moi quel est votre truc musical à vous pour justement mémoriser des pièces. OK, on continue, on enchaîne. Euh, fait que j'ai besoin de vous, je veux voir, je veux vous voir écrire. Je commence à trouver que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas vu personne. Captivé, <laughs> Captive... fantastique, merci beaucoup. On écoute, ça fonctionne très bien, merci beaucoup. C'est toujours bon d'avoir euh, un petit commentaire comme ça, mais mon Dieu, vous êtes donc bien à l'écoute aujourd'hui. <laughs> ok, alors, qu'est-ce que je m'étais dit? Je veux juste être certain de ne pas oublier des choses pour l'analyse. J'ai parlé justement de secret une structure et de mémoriser la structure plutôt que de mémoriser chacune des notes. Après ça, se créer une histoire, ça peut être quelque chose qui aide beaucoup. Euh, Maud qui dit je mémorise en répétant plus, 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 effectivement, <laughs> Il y a, répéter, là, ça c'est la base. Moi je dirais lire, bien lire, ça c'est la chose la plus importante qui va faire la plus grosse différence. Puis après, on s'entend, c'est répéter, répéter, répéter. Ça, c'est comme si vous voulez la base de la mémorisation. Quand on a ces deux éléments-là, après, le restant, ce sont des ajouts, ce sont des trucs, ce sont des choses qu'on qu apprend avec l'expérience, mais que je vais vous en donner quelques-uns aujourd'hui. Mais quand même, c'est la base, effectivement. Je regarde, il y, y a plusieurs personnes qui crient, oui, j'essaie de voir comment l'adapter à mon morceau de deux pages. Effectivement, ça devient, à un moment donné, plus compliqué lorsqu'on a plus de pages. Et tu as raison, Delphine, euh, et certaines pièces... Sont tellement bien structurés. Comme la pièce que je vous ai présentée, on ne se fera pas d'histoire. C'est une pièce qui est vraiment bien structurée musicalement parce que c'est une pièce qui commence avec une introduction, un refrain, un couplet, un refrain et le deuxième étant plus court. Ça, c'est vraiment la base, si vous voulez, de, euh, des, des, des chansons les plus faciles. Il y a des pièces qui vont varier beaucoup. Mais, par exemple, il y a toujours des choses qui se répètent et ça arrive souvent qu'il y a des choses qui se répètent. Je pense, exemple, à du Vivaldi. Je vais voir. Donc, et ça, ça va se répéter. Et, et une deuxième fois dans, 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 le, dans la même pièce, on va voir... Vous avez vu euh, le, le début, s'excuse-là, évidemment, j'ai pas pratiqué, j'essayais juste de me souvenir de, des deux choses différentes, mais vous voyez, le début était pareil, mais la deuxième partie, elle, était différente. Donc, il y a des répétitions, il y a des choses qui se font en musique où est-ce qu'on voit que euh, c'est toujours pareil, il y a des choses qui, les finales vont souvent changer, mais il y, y a différentes façons de structurer, de penser en termes de différentes sections, de différents bouts. Ça va aider beaucoup. Ensuite, des fois, là, si ce n'est pas aussi clair qu'une section ou qu'une autre section, se crée une histoire dans sa tête. Ok, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce-là Ok, pendant un bout de temps, on a deux personnes, une personne qui pose une question, l'autre personne qui, qui donne une réponse. Pourquoi Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, pam, 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 pam. Donc, c'est quelqu'un qui arrive très déclamatoire, admettons. Puis là, bien, ça nous aide à se souvenir de l'histoire. Ok, ça arrive comme ça. Puis après ça... Il euh, y a une question qui est posée. Il oh, y a quelque chose qui se passe. Puis après ça, ben, OK, la réponse, c'est quoi? Vous voyez, c'est un peu. Il faut essayer de, de voir une image à travers ça. Et li, de, se, de se donner des histoires, ça peut vraiment faire en sorte que ça va vous aider. Bon, après ça, qu'est-ce qu'on avait? Euh, oui, est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est triste? Par quelle gamme d'émotions est-ce qu'on va? Se faire un peu une image, comme si on regardait un film dans le fond. Et bien sûr, on s'entend, c'est toujours d'écouter, de réécouter, de réécouter. Donc, quand on parle de répétition, justement, qui est le troisième point, et je fais juste une parenthèse parce que je veux lire ce que vous avez à dire. Donc, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a pour mémoriser, je recopie ma pièce. OK, alors, voilà. Euh, si deux pages, je lis la première page, je mémorise et je mémorise la deuxième, effectivement, ça peut être bien. Pour mémoriser, je recopie la pièce. Très, très bonne suggestion ici. Euh, à, je, malheureusement, je n'ai pas ton nom, je vois juste le, <laughs> le nom qui est donné par Mixer qui est Fibroumiten. <laughs> Donc, euh, mais effectivement, euh, c'est tout à fait ça. Recopier la pièce, c'est un bon truc, effectivement. Après ça, qu'est-ce que je vois? Euh, il me faut les notes. d'Orim fait justement. Je n'y arrive pas. c'est ça. Deviens, converse davantage en musique. Si tu as de la misère parce que tu n'as pas la formation, je t'invite à regarder. Euh, euh, Aller sur milledorvielon.com. On va faire du solfège avec toi. On va faire, on va travailler la lecture avec toi pour faire en sorte de te donner cette base-là pour après ça pouvoir converser musique. Euh, quelle coïncidence de euh, c'est justement du Vivaldi. Oui, oui, c'est ça. Bon, mais c'est effectivement une, toute une coïncidence. Euh, cette pièce. Oh non, tu veux vrai Tu joues cette pièce-là C'est assez drôle, ça. Euh, oui, ça fonctionne. Je me disais qu'il fallait mieux mémoriser quand on débute pour mieux contrôler sa position et son geste. Euh, vous savez, c'est. Ne faire que de la mémorisation. Attention, parce que mémorisation, ça veut dire mémoriser une pièce. Il y a une différence entre mémoriser une pièce et jouer à l'oreille. Jouer à l'oreille, c'est bien parce qu'il y a une certaine forme de mémorisation, effectivement. Mais jouer à l'oreille, ça peut être bon, ça peut être très bon comme exercice, ça peut être très bon comme euh, pour s'aider justement à, à comprendre au début et pouvoir après ça imiter ce qu'on fait. Mais il faut faire attention parce que le pendant de jouer à l'oreille seulement, c'est de faire en sorte qu'on n'arrive pas à lire parce qu'on ne travaille pas la lecture. Donc, moi, j'ai pour mon dire dans l'enseignement que oui, il faut travailler à l'oreille. Mais il faut aussi travailler le solfège. Il faut aussi travailler la lecture musicale. Il faut aussi travailler la technique. Il faut travailler plusieurs aspects en même temps. Et, et, et penser que, par exemple, comme la méthode Suzuki dit, euh, de mémoriser une pièce et après la faire seulement à l'oreille, euh, bien encadré par un bon professeur, aucun problème. Mais par, parler, penser que ce principe-là est suffisant, non. Le principe n'est pas suffisant. Il faut aussi apprendre en parallèle à lire. Ne serait-ce qu'au début qu'à lire où sont mes cordes, où sont mes quatre cordes? Il faut savoir les reconnaître sur une partition, etc. etc. Donc oui, ça peut être très bon comme exercice. Ça peut être très bon d'apprendre dès le départ à justement faire de la mémorisation. Mais jouer par oreille et jouer seulement par oreille. Et ne pas avoir un programme qui, en même temps, nous donne un peu de technique, nous donne un peu de théorie, c'est mauvais. Point. Donc, il faut faire attention avec ça. Euh, et je le dis, je pas pour, euh, pas pour critiquer ce que, j ce que je vois ou ce que j'entends, mais pour vous mettre en garde, parce que je veux que vous avanciez, je veux que vous ayez une bonne formation, que vous vous sentiez à l'aise aussi. Donc, essayez de travailler sur plusieurs fronts. Pas seulement votre oreille, mais aussi votre lecture. Les deux ensemble vont vous donner une force que vous n'auriez pas autrement. Après ça, qu'est-ce que je qu'est-ce que je vois? Euh, mémoriser les notes, apprendre ce nouveau langage, et puis après, quand tu vas arriver à déchiffrer, c'est presque magique. Effectivement, ça se fait. C'est ça. Souvent, c'est commencer. C'est faire les premières étapes. C'est apprendre, vous savez, là, apprendre une nouvelle langue. Vous avez peut-être déjà essayé de dire Ok, moi, je vais apprendre l'anglais, ou je vais <laughs> ou je vais apprendre telle langue, euh, l'italien, le, le peu importe. Commencer, là, c'est dur. Notre cerveau n'est pas prêt, ça y tente pas, puis chaque chose semble être une montagne. Mais après un certain temps, okay, chaque petite chose qui semblait être des montagnes est remplacée par un, un amas de choses qui semble être une montagne, qui est, par, euh, qui est remplacée par un texte devient une montagne, mais ça devient, alors qu'au début, chaque lettre était une montagne, maintenant c'est un texte complet qui est une montagne. Mais ce que ça fait, c'est qu'on progresse, et on progresse pas de manière linéaire, on progresse comme ça. Et soudainement, ça lève. Donc, il faut se faire confiance. Le temps va jouer en notre faveur. Et notre façon d'apprendre, à un certain moment donné, l'aisance finit par rentrer. Faites-vous confiance. Apprenez à lire. Vous allez, vous allez voir, vous allez y arriver. Ça va être long au début. Ça reste... Ben, ça peut être long. Ça peut être simple pour certains. Mais il faut pouvoir... Donc, si vous avez des questions ou des choses à, à me dire, marquez en gros « questions euh, ». Comme ça, je vais pouvoir vous lire. Je vais continuer quest ce que je disais. Bon. Répétition. Je pense qu'on se dit quelques. Quelque. Vous connaissez tous votre pièce musicale préférée. Une tourne qu'on entend à la radio une semaine, puis que là, on, on la trouve donc bonne, puis il me semble que les paroles me disent quelque chose, puis il me semble que le beat, j'aime ça, puis je trouve ça le fun. Ça prend combien de temps de prendre par cœur? Pas énormément, hein? On a, on a une après-midi de libre, on met cette tune-là, on la met en boucle, on pèse sur le petit bouton, on la boucle là, sur, notre, sur notre appareil, et puis là, soudainement, on entend la pièce, la pièce, la pièce, la pièce, et on finit même par anticiper qu'est-ce qui va se faire. Même quand on est perdu, on est un peu dans la lune, on sait que quand j'entends, par exemple, le drum rentrer, tout, 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 là, je sais que, OK, parfait, ma, euh, la prochaine phrase, ça va être telle chose. Pourquoi? Parce que la musique me donne des indices. L'accompagnement musical va me donner des indices. Donc, ça, c'était quelque chose que je voulais vous parler plus tard, mais souvenez-vous-en parce que je vais, je vais vous le dire. Euh, la répétition. Quand on répète sa chanson préférée, bien, bien sûr, on la prend par cœur. Une chose que je vous disais, évitez de faire toute la pièce. On travaille par bout, par petites sections et on se donne des petits objectifs. Une journée, deux mesures. Voilà! Bien, évidemment, si vous êtes rendu plus loin dans votre apprentissage, ça peut être une journée trois lignes. Mais justement, trois lignes va vous sembler aussi difficile que le deux mesures d'une personne qui commence. Parce que c'est ça, apprendre à converser musique. C'est ça, apprendre un nouveau langage. Graduellement, le niveau de difficulté va devenir de plus en plus facile. La courbe d'apprentissage est comme ça. Ce n'est pas une courbe droite. Donc, euh, attention, par exemple, ça je voulais vous dire. Attention quand vous faites des répétitions, parce que comme vous avez vu, exemple, dans l'exemple, je reviens ici. On a B1 et B2, et les deux se font différemment. OK? Euh, on l'avait vu, de toute façon, une est avec une blanche, l'autre est avec une noire. Mais la problématique qu'on peut avoir euh, quand on apprend de mémoire, c'est que quand les, les bouts sont similaires, souvent on va les mélanger. Et souvent, qu'est-ce que ça va faire dans une pièce? C'est qu'on va se ramasser avec une boucle infinie. Est-ce que vous êtes déjà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à la maison de dire que vous avez une pièce dans la tête et vous ne savez pas pourquoi, mais cette pièce-là, vous l'avez dans la tête pendant toute la journée. Elle n'a jamais arrêté. Elle a toujours recommencé, mais vous n'avez jamais eu consciemment eu besoin de dire OK, je recommence du début. Il y a eu comme une boucle infinie à un moment donné qui s'est installée. Et c'est justement ça qui arrive. Quand on a euh, des sections qui sont similaires, souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que notre cerveau va, va passer à notre section préférée. Et là, comme c'est pareil comme au début, on recommence au début, puis ça fait une boucle infinie comme ça. Donc, il faut faire attention quand on fait des répétitions euh, et quand on analyse notre pièce, d'avoir bien notre plan au complet dans notre tête, parce que sinon, on arrive avec des boucles infinies. Euh, ça, je pense que j'ai pas besoin de vous en parler. On l'a assez dit. Effectivement, vous voyez, c'est écrit ici noir sur blanc. C'est euh, qui qui m'avait dit ça euh, C'est Marie, Fibroumiten. Je pense que c'est Marie. Je pense que c'est toi qui, qui avais parlé d'écrire comme une dictée. Euh, effectivement, je l'avais écrit ici. Voilà. Écrire la pièce comme une dictée. Comme on faisait à l'école. Alors, ça fait la la sido. Prenez-vous. Je ne l'ai pas avec moi, mais... Il existe des petits, euh, des petits pads musicaux. Okay? C'est des feuilles de musique avec des portées. Plutôt que d'avoir des lignes pour écrire un texte et faire de la dictée, mais ce sont des portées que vous avez sur votre comme une partition, mais sans aucune note décrite. Et vous prenez un crayon, puis vous commencez à écrire la pièce. Et si elle me tombe dans votre journée, c'est justement une section que vous travaillez. Écrivez, tombe dix fois cette section-là. La, la, si, do, do, ré, mi, fa, mi, do. Ah, attention, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas écrit les bons rythmes. OK, je recommence. Là, ça, c'est noir. Après ça, deux croches noires. Après ça, deux croches. Parfait. Et vous faites ça comme ça pendant dix fois différentes. Et vous allez voir que, justement, ça va devenir de plus en plus facile parce que vous allez vous être trompé, vous corriger, vous identifier à ce moment-là est où votre faiblesse, réécrire sans la faire la faiblesse et l'avoir voir parce que, justement, vous l'avez identifié. Donc, d'écrire plusieurs fois, ça peut être une bonne façon d'apprendre une section. Puis tu sais, vous savez, écrire dix fois ou écrire cinq fois, peu importe. L'important, c'est qu'à un certain moment, donné, on finit par le savoir. OK, je le sais. Je prends mon instrument et je l'essaye. Et OK, parfait, mon objectif de la journée est fait. Demain, on passe à la section B. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Après ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Euh, je vois qu'il y a des choses qui... Euh, un verre d'oreille. Effectivement, Suzanne, oui, tout à fait. Euh, L'autre point, là, on a, on a parlé lecture, analyse, répétition. Je voulais vous parler de contexte. Contexte, là, ce sont des choses qui sont quand même assez intéressantes. C'est-à-dire... Quand je parle de contexte, il y a plusieurs contextes différents que je veux dire. Je veux dire, par exemple, jouer l'accompagnement. Vous savez, l'exemple que je vous ai dit, quand on écoute notre pièce préférée, Favorite, euh, favori, euh, favori, oui, euh, et que justement à un moment donné on entend le drum, puis whoop, on sait exactement c'est quoi la prochaine phrase parce qu'on l'a entendu plusieurs fois. L'accompagnement audio peut nous donner vraiment de bons indices et peut venir déclencher chez nous euh, un souvenir. J'explique. Je suis à un moment donné dans un concert, ok? Et vous savez qu'est-ce que c'est dans des concerts On est toujours un peu plus nerveux. On, on commence à jouer tout ça et à un moment donné, un blanc de mémoire comme j'avais rarement vécu dans ma vie. Un vrai blanc, ok Et là, le stress augmente. Et là, je vous dis, une fraction de seconde avant de jouer la note, je ne sais pas quelle note jouer. Et soudainement. Le piano de mon professeur vient à la rescousse. Bang, l'accord le le, qui a réveillé chez moi. Ah oui, c'est ce passage musical-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai joué à la dernière seconde la bonne note. Ça n'a pas paru. Mais vous savez, c'est exactement ça. Le, le contexte sonore, le contexte de l'accompagnement audio, l'accompagnement musical, le piano qui va jouer. Peut venir nous aider. C'est pour ça que euh, si vous faites partie, exemple, des, des, des euh, élèves de Mildor Violon, à chaque fois que vous apprenez une pièce, on vous donne aussi un accompagnement audio. Pour justement venir travailler ça aussi, venir s'habituer à comprendre, à entendre et reconnaître dans quel contexte musical vient s'inscrire notre pièce, nos notes qu'on joue. Je trouve que c'est absolument important et ça fait en sorte justement que on apprend à jouer avec l'autre. Oui, on joue avec l'autre dans le sens qu'on est capable de jouer en même temps qu'un accompagnement. Donc, c'est un peu l'équivalent de jouer aussi avec un autre musicien, vous voyez? Suivre. Mais c'est aussi de voir dans quel contexte sonore, dans quel, quels sont les accords. Quand je dis accords, je veux dire euh, des notes qui sont jouées en même temps. Vous savez, le piano, il va jouer, exemple, plusieurs notes en même temps. Mais cet accord-là vient, vient créer un sentiment chez nous. Ce sentiment-là va déclencher un souvenir. Ce souvenir-là va peut-être faire en sorte que justement, ah, on sent qu'on s'en va vers le couplet. Vous savez, des fois, là, on sent en musique que la première fois, on dirait que c'est comme ça. Puis la deuxième fois, on dirait que je suis tiré d'un autre côté parce que musicalement, exemple, il y aurait des accords suspendus ou des choses comme ça. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. L'important, c'est que vous compreniez qu'est-ce que je vous... Euh, qu'est-ce que je vous dis en ce moment? Le fait de dire que en jouant, j'entends l'autre, j'entends cet accompagnement, j'entends ce contexte, et ça vient me donner euh, un plus qui m'aide à me souvenir que, ah oui, là, je sais qu'on s'en va vers couplet. Vous voyez un peu qu'est-ce que je veux dire? Donc, le contexte, euh, l'accompagnement, c'en est un. Un autre style de contexte, le lieu où vous jouez. OK? J'explique. Vous répétez chez vous, vous êtes exemple dans votre sous-sol, vous êtes dans votre grenier, dans votre chambre, la porte fermée, en espérant que vous ayez des meilleurs voisins que j'ai entendus cette semaine sur le groupe violoniste débutant, parce qu'il y avait des voisins. Bang, 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 bang. On ne veut pas avoir ça. Mais bref, euh, le contexte. Donc, on est dans notre chambre, on joue, on fait toujours la même chose. Il y a quelque chose dans le cerveau, ne demandez-moi pas qu'est-ce que c'est, mais il y a quelque chose dans notre cerveau qui associe le mouvement avec aussi notre contexte physique. Qu'est-ce qu'on voit? Comment je, je, je suis toujours devant mon lutrin qui est toujours à la même place, qui est toujours dans le même lieu, etc. Et un des trucs qu'on a, parce que quand on parle de mémorisation, on veut souvent dire, je veux mémoriser pour faire quelque chose, comme pour un concert, ou pour jouer devant quelqu'un, ou pour me détacher de la partition, etc. Mais ce n'est pas en faisant tout le temps la pièce dans sa chambre, dans un certain contexte, que ça va nous aider à le faire dans un autre contexte, comme par exemple un concert. Je vous explique pourquoi. Parce que notre cerveau associe aussi ce qu'on voit physiquement dans quel lieu on est, dans quel contexte, avec notre lutrin, notre partition, nos choses, avec qu'est-ce qu'on joue. Et si on fait toujours et on, on joue toujours de la même façon, au début, c'est bon. Pourquoi? Parce que ce contexte rassurant-là, quand on est chez nous, dans notre confort, ça vient nous aider à apprendre, justement. Ça vient nous aider à dire qu'on se remet dans la même situation. La même situation vient déclencher dans notre tête des souvenirs qui nous rappellent justement de euh, on est rendu à tel endroit dans la pièce. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire C'est une bonne chose. Là où ça devient une mauvaise chose, c'est lorsqu'on veut justement faire un concert et là on veut jouer de mémoire, mais on n'est plus dans ce contexte-là. Donc c'est comme contradictoire ce que je vais dire, mais pour apprendre une pièce, apprenez-la toujours dans le même lieu, dans le même contexte avec les mêmes mouvements, de la même répétition, de la même façon. Et quand vous commencez à la savoir et vous pensez la savoir par cœur, faites un petit changement. On tourne le lutrin de bord. On prend le lutrin, on s'en va, le trépied. Euh, comment vous dites? Euh, change de pièce. Et on va jouer dans un autre contexte. Et c'est drôle, hein? On ne se sent pas pareil. On va jouer à l'extérieur. On ne se sent pas pareil. On y arrive, je vous connaissez bien la pièce, mais on dirait qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Et soudainement, peu à peu, que vous allez changer de pièce, changer d'endroit, changer de lieu, jouer devant une personne, jouer devant une autre personne, jouer devant quatre personnes, prendre votre instrument, l'apporter à l'école euh, et jouer devant votre classe ou jouer devant vos collègues de travail ou peu importe, ça va faire en sorte que vous allez changer le contexte et soudainement, la pièce que vous faisiez, dans un seul lieu et que vous étiez capable de faire dans un seul lieu, vous êtes soudainement capable de la faire dans plusieurs lieux, dans plusieurs contextes, peu importe le nombre de personnes, parce que le cerveau a, a, fait, a fait OK, ce n'est pas que dans ce contexte-là que je connais la pièce. La pièce existe en, en soi, euh, dans d'autres lieux, dans d'autres. C'est difficile de mettre le doigt dessus. Une personne plus. plus connaissante, pourrait donner des mots exacts, mais il y a un processus mental qui vient avec ça. Okay? Il y a un processus dans notre cerveau qui fait en sorte qu'un lieu est associé à, à un, un, un sujet, à, à, à une façon de faire, à une pièce musicale. Donc, changer de lieu différent. Commencer en répétant toujours à la même place pour pouvoir favoriser justement la répétition et après pour favoriser le fait de pouvoir le faire, peu importe le contexte, changer de place. Donc, ça, c'est un, un petit truc que je veux vous apporter. Quand je parlais de contexte, on parle de contexte physique. Ensuite, jouer avec la partition et jouer sans la partition. Et faites-le en alternance. Il n'y a rien qui est plus intéressant que d'obliger son cerveau à être en situation où il y a un support, et soudainement, il n'y a plus de support. Parce que soudainement, ça va révéler qu'est-ce qu'il aura appris et qu'est-ce qu'il n'a pas appris, justement. Donc, on va jouer avec une partition... On fait notre pièce. OK, on pense qu'on l'a. Très bien. On ferme le cahier et on joue. Ah! Voyons, c'est quoi après telle note? Mais le fait de se poser cette question-là, quand on va reprendre notre cahier et qu'on va jouer, nos yeux vont aller directement là, Ils vont dire aller directement à ce que notre cerveau n'a pas emmagasiné la première fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va l'avoir identifié, on va l'avoir vu, on va répéter et soudainement on va le savoir. Donc, OK, parfait. Maintenant, je pense que je le sais. Très bien. J'arrive là, c'est certain qu'après, à cet endroit-là, vous allez savoir qu'est-ce qui vient. Mais peut-être que vous allez remarquer que vous ne faites pas les bons coups d'archet, vous ne faites pas nécessairement les, les, les bonnes notes, etc. Vous allez, vous allez vous poser des questions. On remet la partition en alternance comme ça. Et en alternance, ça va vraiment faire en sorte que. Vous, euh, ça va venir compléter le travail de mémorisation. Donc, ce n'est pas juste une question de dire j'essaie de le faire par cœur. Vous allez avoir plus de résultats si vous faites en alternance une fois avec, une fois sans, une fois avec, une fois sans, que si vous faites plein de fois avec et plein de fois sans. Parce que ce passage d'un à l'autre va venir compléter vos connaissances, va vous permettre de, de solidifier vos assises, va vous permettre de d'être plus en contrôle parce que vous avez joué une fois de mémoire, vous avez regardé et soudainement, le fait de regarder va, va comme confirmer ce que vous avez appris justement. Donc, jouer en alternance avec et sans la partition, un autre truc que je vous donne. Qu'est-ce que j'avais marqué? Ça c'est bon, ça c'est bon. Euh, oui, ensuite, dernier point que je voulais vous parler le temps. Il faut se donner... Le temps, le, le temps va toujours jouer en notre faveur. Comme je vous disais tantôt, un petit bout, une petite section, la première journée, une petite section la deuxième journée. Au bout de quatre jours, on connaît notre pièce. Le temps va jouer en notre faveur. La répétition et surtout la fréquence va jouer en notre faveur. Je l'ai déjà dit souvent pendant les webinaires, mais quand on dort le soir, notre cerveau en magazine. Encore là, dites-moi pas c'est quoi le processus, je ne suis pas un spécialiste du cerveau. Je ne suis pas un neurologue, je ne peux pas dire qu'est-ce qui se passe en tant que Mais je sais que ça existe. Je sais que quand je dors le soir et que je me réveille le lendemain matin, mon cerveau a comme résout les problèmes que je n'étais pas capable de faire la veille. Mon cerveau est, 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 a mémorisé quelque chose que j'avais la difficulté à mémoriser la veille. Donc, la répit... le, le temps joue en notre faveur. Les différentes journées qu'on va passer à refaire le même exercice, à réessayer de mémoriser, ça va jouer en votre faveur. Là, vous allez me dire Jean-François, ben oui, mais là, c'est quoi le truc de mémorisation ici Je te demande un truc de mémorisation puis tu me dis répète Ben oui, c'est simple, hein Mais c'est ça la répétition, le contexte, on le dit, l'analyse, répétition, lecture, contexte, le temps. Quand on commence, je sais parce que mon père est acteur. Mon père fait euh, du théâtre, très bon, très bon euh, acteur. Euh, pas un, un grand acteur, exemple connu, ne fait pas de la télévision, ne fait pas de, euh, des films, quelque chose comme ça, mais un très bon acteur, joue au théâtre, a du plaisir et c'est parfait comme ça. Et on a du plaisir à le voir jouer aussi. Moi, j'ai fait une fois une pièce de théâtre avec lui. Et qu'est-ce qu'on faisait? on s'était enregistré euh, une cassette audio. Okay, dans le temps, là, quand j'ai fait ça, j'avais 10-12 ans, c'était le temps des cassettes. Okay? <laughs> donc, on avait 4-5 cassettes qu'on s'était enregistrées où on faisait euh, nos répétitions. Lui faisait ses répliques, moi je faisais les miennes. Puis, je me rappelle, on s'en allait vers mon cours de violon. Euh, c'était à peu près une heure de route. Donc, on, a, on mettait la cassette, puis on l'écoutait, puis on l'écoutait, puis on l'écoutait. Puis quand on s'en allait vers euh, l'endroit le, où on, on faisait du théâtre ensemble, à ce moment-là, c'était une heure et demie de route à peu près, quelque chose comme ça. On mettait la cassette, on repartait. Donc, de s'enregistrer, de réécouter, ça peut être une bonne façon de faire. Le temps joue en notre faveur. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'au début, au début, on avait besoin de ces choses-là. Je me rappelle que mon, mon père faisait souvent ça, s'enregistrait et devait écouter la cassette si c'était important. Et les dernières fois où je l'ai vu jouer au théâtre ou où, euh, où je l'ai vu, si vous voulez, pas jouer au théâtre, mais pratiquer pour apprendre ses textes, euh, lisait simplement les textes, les répétait deux trois fois, demandait à quelqu'un de lui donner la réplique, mais n'avait plus besoin d'une cassette. Pourquoi Parce qu'à un certain moment donné, l'expérience rentre en ligne de compte. À un certain moment donné, le musicien anticipe ce qui va se passer. Ou comprend la structure musicale. Vous savez, il y a, il y a, il y a des choses qu'on qu sait en musique qui... Comment je pourrais dire ça C'est comme si on peut anticiper la prochaine note. C'est difficile à expliquer. Puis j'imagine que vous avez déjà un peu vécu cette expérience-là. Donc je, je, je vais laisser ça comme ça ici parce que je ne veux pas nécessairement expliquer le... Le, le pourquoi, le pourquoi du comment, mais je pense que vous avez déjà vécu ça en tant que tel. Euh, à un certain moment donné en musique, on, on a comme, on sait qu'est-ce qui s'en vient. Et ça, on va le savoir de plus en plus au fur et à mesure qu'on apprend à converser musique, comme on a dit au début. Vous allez reconnaître les styles musicaux. Vous allez reconnaître euh, les formes musicales, une forme qu'on parlait tantôt, refrain couplet refrain. Vous allez reconnaître une forme musicale, le menuet. La sonate. Le concerto, qui a toujours trois mouvements. Donc, on peut anticiper, peut-être pas la prochaine note, mais qu'après ce mouvement-là, quand il est terminé, le deuxième va être plus lent. Ça nous donne un indice, ça aussi. Donc, de pouvoir converser musique et de reconnaître les styles, les formes musicales, ça va faire en sorte que, justement, ça va nous aider avec la mémorisation. Euh, et. Et c'est pas mal ça que j'avais moi de mon côté. Ah, et la dernière chose, bien, la confiance. La confiance en soi, là, c'est la chose numéro un qui va faire en sorte qu'on va avancer en musique, dans tous les aspects de la musique, et je te dirais aussi, dans tous les aspects de la vie. Moi, s'il y a une chose que je rêve, j'espère pouvoir inculquer euh, à ma fille, à ma petite fille qui a maintenant deux ans et demi, c'est d'avoir confiance en elle. La confiance nous donne des ailes. La confiance va faire en sorte que on va aborder un problème complètement changé. On va, comme par exemple aujourd'hui, okay, je, je, je fais le webinaire actuellement. Je me rappelle au début quand j'ai commencé à faire les webinaires, j'étais terrorisé avant même de peser sur. Ok, l'introduction. boom, boom, Là maintenant, je me sens plus à l'aise, donc j'arrive à, à, à converser. La confiance, autant au niveau de la mémorisation qu'au niveau de l'exécution, qu'au niveau de comment on, on, on joue devant l'autre, etc., la confiance fait en sorte que ça, ça va changer, ça va venir nous transformer. Bien sûr, ça ne vient pas naturellement nécessairement. Mais confrontez-vous justement à jouer devant une autre personne, confrontez-vous à, à une crainte. Mais je ne vous demande pas de vous confronter à la plus grande crainte de votre vie. On ne commence pas au violoniste débutant et de dire Ok, ben parfait, hey, on va casser la on va crever l'abcès, On va aller tout de suite jouer devant 5 millions de personnes. Non. <laughs> on commence avec des petites choses. Mais de le faire et de gagner en confiance et de se dire hey, c'est quoi, ça a bien été ou ça a mal été, mais ce n'est pas grave, je continue à le faire. La confiance va faire en sorte, exemple, dans le contexte de la mémorisation d'une pièce, ça va faire en sorte que <laughs> vous allez commencer avec. Comme présupposer que vous êtes capable de le réussir. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la vie, là, mais on prend un problème mathématique, on commence à le résoudre, puis on se dit Ah, oh, mon Dieu, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire. Puis à un certain moment donné, on finit par se croire. Alors qu'une personne qui a confiance va prendre le même problème, va dire Bon, OK, hmm, pas évident. Ah, je sais, je vais être capable de trouver une solution. Je vais être capable de... Ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je connais qui pourrait m'aider? Et soudainement, la confiance va faire en sorte qu'on va être capable de trouver des solutions, on va être capable de se mettre en contexte qui va faire en sorte qu'on va trouver comment mémoriser cette pièce-là. On va faire de la structure, on va analyser, on va se dire qu'est-ce que j'aurais besoin de travailler pour m'aider à mémoriser cette pièce-là. Alors qu'une personne qui n'aura pas confiance va prendre le même temps. Non, pas pour trouver des solutions, mais pour se dire Ah oh, mon Dieu, oh, je ne serai jamais capable, je serai jamais impossible, impossible, hey, c'est beaucoup trop dur. Puis le même temps où ce que cette personne se dit ça, c'est le temps qu'il n'est pas pris à mémoriser, justement. Donc, et je ne dis pas ça pour être paternaliste, loin de moi, je dis ça pour essayer de vous, de, de vous dire que des fois, notre approche par rapport à notre apprentissage va faire une grosse différence. Faites-vous confiance. Vous êtes capable d'apprendre le violon. Vous êtes capable d'apprendre à lire la musique. Vous êtes capable de la mémoriser. Faites la technique de l'escalier que je vous ai dit. On commence euh, avec des, des petits succès, des petits objectifs. Et on bâtit sur ces objectifs-là. On bâtit sur ces succès-là peu à peu. Donc, ça devrait vous aider. En tout cas, je l'espère. Je, je vais regarder les choses qui sont décrites. Salut Jean-François de Frédéric Fortin. Salut Frédéric, très content de te retrouver. Après tout, nous sommes des apprentis. J'ai commencé à jouer avec des personnes âgées. Euh, euh, ils apprécient le violon. Oui, effectivement, de jouer devant d'autres, c'est vraiment, vraiment le fun. Jouer en alternance, c'est noté, dit euh, Maude. Bonjour Jean-François de Marie euh, Pialo. Bonjour. Euh, C'est vrai qu'on peut mémoriser quand on joue ses choix, mais pourquoi on a des trous de mémoire devant quelqu'un? On a besoin de la partition, le trac enlève la confiance en soi et le lâche est prise. Merci pour tes conseils. Effectivement, le trac, le stress, comment je pourrais dire ça? Imaginons que notre cerveau est un peu comme la mémoire vive d'un ordinateur. Okay? Suivez-moi. On a 16 gigs de mémoire vive. Okay? Quand on joue chez nous, le facteur confort, le facteur stress n'est pas là. Fait qu'il prend bon mettons un, un demi-gig de mémoire vive. Et tout le restant de notre focus, de notre cerveau est mis sur l'exécution de la pièce, est mis sur réussir à mémoriser la pièce, réussir à jouer, etc. Donc la plus grande portion de notre capacité est concentrée sur ça. Alors que quand on joue dans un autre contexte devant d'autres personnes, okay, on va avoir, ça va devenir envahissant. Une plus grande proportion de notre mémoire vive, une plus grande proportion de notre concentration, de notre focus, de nos pensées en tant que telles qui sont, admettons, limitées à 16 gigs, va être sur gestion du stress. Qu'est-ce qui reste pour se souvenir de la pièce? Deux gigs. Ça marche très bien à la maison, ça ne marche plus devant mon professeur. Pourquoi À cause de ça. Pourquoi est-ce que ça fonctionne euh, chez nous et ça ne fonctionne pas en concert À cause de ça. Dites-vous une chose OK? on a une limite. Il euh, faut que je fasse attention. On n'a pas une limitation absolue dans la vie. Parce que peu à peu, à force d'apprendre la musique, bien, on augmente notre mémoire vive, si vous voulez. Okay? On augmente nos capacités on augmente nos connaissances, notre technique, nos acquis. On fait des raccourcis dans notre cerveau qui vont plus vite, qui font en sorte qu'on comprend un texte au complet, alors qu'avant on comprenait une lettre comme je vous ai parlé tantôt. Donc, on augmente nos capacités avec le temps. Mais nos capacités, elles sont finies dans le temps, dans l'instant présent. Si c'est 16 gigs, c'est 16 gigs. On a 2 gigs qui sont... 0.5 qui sont parce qu'on est dans un contexte de confortable. Parfait. Alors, c'est quoi le truc pour faire en sorte que le stress ne devient pas envahissant et prenne l'entièreté de notre mémoire vive, mais c'est de s'habituer. S'habituer va faire en sorte que c'est comme de l'exposition. On s'expose à jouer devant une autre personne. On s'expose à jouer devant euh, deux personnes, trois personnes, notre professeur. On s'expose à, à plusieurs fois faire le même, le, la même problématique. Et la première fois, là, ça va être envahissant. La deuxième fois... Ça va être pas pire. La troisième fois, ça va être envahissant. <laughs> c'est pas, euh, pas euh, euh, soudainement vraiment égal. Mais c'est pas grave. On va apprendre avec le temps. Jusqu'à un certain moment donné, on arrive à un niveau de confort. On joue devant les autres, on fait des erreurs, mais au lieu qu'ils viennent nous chercher en dedans, puis se dire « Oh mon Dieu, je viens de faire une erreur, ça, ça vient de tout changer. » Soudainement, l'erreur qu'on va avoir faite, ben, « Ah, oh, ok, j'ai fait une erreur. » Et juste le changement de, de registre émotif par rapport à l'erreur qu'on peut faire va faire en sorte que ouf, notre mémoire vive vient de réduire. Et, et ce qui était envahissant devient gérable facilement, de plus en plus facilement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on peut jouer devant d'autres personnes. Et réussir parce que notre mémoire vive, nous, toutes nos capacités mentales sont mises sur l'exécution de la pièce et ne sont pas mises sur le contexte dans lequel on est. Vous voulez euh, faire en sorte de gagner en assurance Travaillez votre contexte. Travaillez à jouer dans différents contextes. Poussez-vous à aller un peu plus loin. Allez pas tout de suite devant 5 millions de personnes, mais commencez à aller devant 1, 2, 4, 7. Je suis capable aujourd'hui. Ah, la classe au complet. Augmenter graduellement. Je pense que ça devrait vous aider. Euh, voilà pour ça. Euh, je vois qu'il y a des gens qui écrivent euh, Mémoriser avec des images mentales. Euh, imagination se crée des images dans le cerveau. Euh, euh, plus facile de retenir que l'abstrait, tout à fait. Euh, L'association, associer des images mentales entre elles par un lien de sens, tout à fait. Euh, verbalisation, se raconter une histoire, tout à fait, comme on a dit tantôt. Euh, émotion positive. Euh, Humour, émotion, aide à mémoriser. Tout à fait, effectivement. Euh, tu dis merci. Je vois Marie qui dit merci, Jean-François, c'est rassurant. Euh, oui, et ça devrait l'être rassurant. Faites-vous confiance. S'il y a quelque chose que euh, malheureusement, on vit dans une société où on ne voit que le résultat tout le temps euh, et on pense qu'on l'a ou on ne l'a pas. Et ça, c'est la, la pire des choses qu'on peut apprendre dans la vie. Quand on commence, on commence tous mauvais, on commence tous incapables, et peu à peu, on, on apprend à en faire un peu plus, et on est capable de le faire. On est capable. On pense que c'est un état. Ou bien on a du talent ou on n'a pas de talent. Oui, on en a du talent. Le talent, c'est la somme de nos efforts. Et donc, c'est oui, c'est rassurant, parce qu'on peut se dire, je suis capable, et ça vient tout changer notre façon d'aborder la musique. Euh, la, aussi la méthode des lieux, mémoriser longue liste d'éléments ordonnés. Elle est fondée sur le souvenir de lieux déjà bien connus, effectivement, comme je parlais tantôt, le contexte, effectivement. Merci pour ce webinaire. Si tu as deux minutes, j'ai une question, mais sans rapport avec le webinaire du jour. Oui. Euh, avant de répondre à vos questions, parce que à chaque fois qu'on a un webinaire, euh, je réponds à des questions, il nous reste à peu près un 5-6 minutes où je vais répondre à toutes vos questions, que ce soit pour la mémorisation, mais que ce soit aussi sur la technique de violon, etc. etc. Euh, peu importe la question, vous écrivez question en gros et vous me dites quelle est votre question et je vais prendre ces 10 minutes-là pour répondre et essayer de vous aider dans votre quotidien musical. Donc, mais avant toute chose, je veux vous présenter euh, notre petite promo qui vous explique, qui vous parle un peu ou qui vous présente le cours Violoniste débutant. Bonjour aux futurs violonistes. Si vous rêvez de jouer du violon, le site mildorviolon.com a exactement ce qu'il vous faut. Des cours en ligne pour apprendre le violon chez vous à votre rythme et selon votre horaire. Tutoriel vidéo, partition, accompagnement pour apprendre solidement les bases du violon. Cliquez simplement sur s'inscrire au cours et jouez enfin du violon comme vous en rêvez. Tutoriel vidéo, partition, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com. On est de retour donc comme vous pouvez voir le cours violoniste débutant c'est un cours qui est bâti avec tutoriels vidéo mais aussi la possibilité de me rencontrer euh, par webcam euh, et qui vous donne la possibilité d'apprendre le violon chez vous à votre rythme selon votre horaire euh, avec justement des tutoriels vidéo qui sont de qualité qui ont été pensés de A à Z euh, pas euh, pas grosso modo, voici comment faire la pièce, et après ça, vous êtes pris avec vous, vous ne savez pas nécessairement sont où les difficultés, comment réussir à, à bien les faire, comment, où sont les trucs pour m'aider à un passage précis, etc. On a décortiqué 100% de ce que vous avez, ce que vous allez apprendre dans le cours violoniste débutant, pour vous permettre d'apprendre le violon de manière simple, de manière claire, avec des exemples, des trucs, des astuces, des partitions, accompagnement, des partitions interactives avec euh, le support des fichiers MP3, etc. Donc, tout ça va faire en sorte que vous allez pouvoir apprendre le violon à votre rythme chez vous. Donc, voilà, je vous invite à le découvrir. C'est sur le site web, euh, bien sûr, de mildorviolon.com. Et euh, tel que promis, je réponds maintenant à vos questions. Est-ce possible de me montrer ce que c'est que de jouer des, des notes en staccato? Euh, c'est mon mode qui est écrit. Est-ce qu'il faut faire ça sur chaque note? Pourquoi jouer staccato? OK. Euh, staccato en gros, ça veut dire jouer de manière sec, donc saccadé, staccato. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est tout simplement. Attendez, il y a plusieurs staccati. Okay? Euh, on peut jouer en staccato avec des notes qui sont courtes, tout simplement. Ou avec des notes saccadées. Attention, il y a saccadé, mais il y a marcato. Ou ce que, là, à ce moment-là, c'est autre chose. On, on veut jouer avec des coups de marteau, si vous voulez marquer, marcato. Donc, il faut faire attention. Un staccato, là, essentiellement, qu'est-ce que c'est et comment on le reconnaît? C'est quand on a un petit point au-dessus d'une note en musique. Pas, au, pas à côté, au-dessus. Lorsqu'on a un petit point au-dessus, ça veut dire essentiellement, plutôt que de jouer, exemple, la noire, si c'est de, au-dessus d'une noire, plutôt que de jouer une noire, Fais une croche suivie d'un silence. Donc, divise par deux ta noire. La moitié, tu joues la note. L'autre la, moitié, tu fais un silence. Donc, dans le fond, ce que c'est, c'est des notes qui sont pas complètes, mais on joue la note et on fait un arrêt entre. Qu'est-ce qu que ça fait C'est que ça découpe. Okay? Au lieu de faire la, si, do, ré, ça va faire la, si, do, ré. Donc, la note est jouée, la note, il y a un silence. La note est jouée, il y a un silence. La note est jouée, il y a un silence. Et c'est toujours ça. En fait, du staccato, c'est exactement ça. Lorsqu'il y a un point, ça veut dire, dans sa plus simple expression, on fait la moitié de la valeur de la note suivie d'un silence qui vaut effectivement la moitié elle aussi. Donc au total, ça fait noir. Mais plutôt que faire noir, 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 ça va plutôt être noir, noir, chute, noir, chute, noir, noir, chute, vous voyez Et après, le style du staccato. Là, à ce moment-là, ça va être différent, dans, tout dépendant du contexte de la pièce. Si tu as une pièce où le staccato est plus dansant, on va peut-être le faire à un endroit de l'archet qui va sautiller davantage, euh, milieu tiers, avec un, un, un coude qui est un peu plus léger. Donc, vous voyez, c'est des notes qui sont un peu plus dansantes, un peu plus joyeuses, okay? parce qu'on a utilisé un staccato différent. Ou, Quelque chose dans une pièce où c'est un petit peu plus sec, un petit peu plus austère, ça peut ressembler à. Donc la façon qu'on va faire notre staccato va dépendre du style de la pièce. Euh, et à ce moment-là, on va changer notre technique d'archet pour pouvoir répondre à ça justement. Euh, mais essentiellement, un staccato, ça reste la moitié de la valeur de la note plus l'autre moitié de la valeur de la note qui est un silence. Note un silence, note silence, plutôt que de faire la note de sa longueur entière. Euh, voilà pour ça. Euh, Est-ce qu'il y a, qu a d'autres questions? Euh, ça donne un air plus, plus entraînant, ça peut donner un air plus entraînant à mon mode, mode. Ça dépend effectivement du style de la pièce. Quand on exécute le staccato, c'est pas la même chose que qu'est-ce qu'un staccato. Qu'est-ce qu'un staccato, c'est la moitié de la valeur de la note suivie d'un silence, donc... On, on vient couper en deux la valeur de la note et le style avec lequel on va faire le staccato, ça à ce moment-là, c'est autre chose et c'est relié au style de la pièce. Euh, voilà, je. Il est déjà 11h09. S'il y a des gens qui ont euh, des questions, euh, parce que je vois rentrer euh, <laughs> les questions euh, à la tonne, malheureusement, parce que j'ai tous les euh, YouTube ou euh, Twitch, euh, Facebook, tout le monde en même temps. Donc c'est difficile parce que là, je vois les, les lignes augmenter. Euh, euh, Écrivez, écrivez question en majuscule avant de poser la question. Ça va me permettre vraiment de pouvoir l'identifier. Euh, je vous laisse la chance de, de me donner ça. Sinon, euh, vous, si vous voulez me partager justement quel est un, un autre truc de mémorisation, peut-être que vous auriez de votre côté. Je serais vraiment intéressé de, de le savoir. Euh, spicato, c'est aussi une note courte, Il y a dit Marie-Blanche. OK, oui, euh, Spicato, en fait. La différence qu'il y a, c'est qu'un staccato, comme j'ai fait, c'est à la corde, comme on a vu. Alors qu'un spicato, ça va être sautillé. Je, je vous le montre de côté comme ça, vous allez voir l'archet qui rebondit. Donc, il y a là un, euh, une technique d'archet. Donc, exemple, le poignet levé comme ça, on joue au tiers, on essaie de, de faire assez rapidement la note. Donc, un spicato se fait... Essentiellement, et on fait des demi-lunes, etc. Donc, bref, spicato, c'est un sautillé. pas n'est pas la même chose. Ouh. Et c'est vraiment intéressant. Le spicato vient vraiment. Et il y a, il y a différents spicati aussi. Mais bref, euh, le spicato, c est, c est ça reste court mais ça reste court, sautillé, et c'est avec une technique particulière qui s'appelle du spicato, justement. Euh, voilà pour ça. Euh, un petit coucou à tout le monde pendant ma pause. Je regarderai la, en diffusion. Bon, bon dimanche à toutes. Euh, il semble être, euh, Ça semble être la fin. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Ou en tout cas, je ne vois pas que vous écrivez question. De toute façon, on se revoit tous les dimanches. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Euh, donc, 10 heures au Québec ou 16 h en France. Je, ce fut un plaisir encore une fois pour moi d'être avec vous euh, ce dimanche en espérant que vous ayez appris euh, quelques, quelques trucs, quelques astuces qui vont vous aider. Euh, donc, on se revoit dimanche prochain pour un autre webinaire euh, avec. Euh, Mildor Violon, merci d'avoir été des nôtres et au plaisir de se revoir. Bye bye tout le monde, à la Tutoriel vidéo, partition, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com.